La rainette, c'est juste une pomme à cuire. Ça, c'est une bougie, hein, si vous chez Milpa, on lève les freins de la consommation responsable et on la favorise. On veut favoriser la consommation responsable et mettre en avant les acteurs du changement. C'est pour ça qu'on est au Locavorium aujourd'hui. Pour nous, le Locavorium, c'est un acteur du changement. C'est des produits 100% locaux, tous sourcés à moins de 500 km. Et pour nous, voilà, ça fait partie des choses importantes. Manger local, manger bio, faire du vrac, du zéro déchet. Donc, chez Milpa, on veut favoriser la transition écologique en vous permettant de découvrir ces commerces et grâce à eux, en vous en bénéficiez tout simplement d'un remboursement sur une partie de vos achats que vous effectuez chez eux. En l'occurrence, en ce moment, le Locavorium, on est une offre à 5%. Donc, on passe entre guillemets. Grâce à Milpa et au Locavorium, vous bénéficiez automatiquement de 5% de vos achats effectués ici. Vous les recevez 48 heures après vos achats, vous les recevez dans un porte-monnaie Milpa qui s'incrémente avec les différents remboursements que vous pourrez avoir chez nos différents partenaires. Et à la suite de ça, tout simplement, vous les reversez sur votre compte courant totalement gratuitement. C'est vraiment un effort de nos partenaires pour, encore une fois, favoriser la consommation responsable. Et concrètement, en fait, chez Milpa, la carte bancaire devient la carte de fidélité responsable, ce qui permet d'avoir des achats engagés plus abordables. Du vrac, du zéro déchet, de l'habillement, on a de la mode éthique. Vous pouvez aller centre-ville chez Patagonia, chez Pictures. Des marques assez connues, on a aussi vraiment des artisans, des indépendants, des groupes. Pour le bio, on travaille avec les deux comptoirs de la bio, LAT et Mobio. On travaille avec du vrac, avec l'épicerie des By Day en plein centre-ville. Aujourd'hui, il y a 60 partenaires sur Milpa, 35 offres actives qui sont renouvelées et qui évoluent au fur et à mesure du temps, de l'année et des saisons. Hein, c'est important les saisons. Il y a deux choses. La première chose, c'est créer un compte. La deuxième chose, ça va être lier votre carte bancaire. Tout ça est hyper sécurisé. On a des niveaux de sécurisation qui sont tout simplement au niveau bancaire. On travaille avec des partenaires qui sont affiliés Banque de France. C'est très important, tout est anonymisé. Une fois que vous êtes enregistré, vous bénéficiez des offres totalement automatiquement. Donc c'est hyper fluide et rapide, autant pour vous qu'en caisse. Il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de mot de passe secret à donner. Il n'y a pas d'application à montrer. Mais vous pouvez quand même dire c'est 1000 pas, parce qu'acheter ici c'est 1000 pas et ça c'est plutôt sympa. Mais concrètement, non, ça se fait vraiment automatiquement. Ce partenariat, ça a du sens parce qu'on est dans la même démarche engagée et de conviction, puisque Milpa, eux, s'engagent avec des partenaires qui sont comme nous, c'est-à-dire locaux, en circuit court, et qui donc favorisent une alimentation raisonnée, durable, de terrain, de terroir, je devrais dire plutôt. Et donc, c'est vrai que la démarche a du sens. Ce qui est intéressant, c'est que financièrement, le client s'y retrouve aussi et que par son action avec Milpa, il va aussi aller favoriser des commerces locaux de proximité et notamment le Locavorium. Et donc tout ça marche ensemble et a beaucoup de sens en commun. Ici, comme nous on aime bien dire, c'est vraiment Milpa. C'est Milpa parce qu'on a des accessoires zéro déchet qui sont faits main et qui plus est. On a des savons solides, on a de la recharge. On a également des cosmétiques en vrac, destinés aux cosmétiques maison. Labellisés. Et derrière tout ça, il y a vraiment un conseil aussi. Il y a vraiment un conseil de Julie. On est niché ici au cœur des cuissons, mais elle est là depuis 11 ans. Et tous nos partenaires vont être sélectionnés selon des critères de choix qui sont définis au sein de la charte respectueuse MIPA. Celle-ci, en fait, se base sur des recommandations d'institutions publiques comme l'ADEME ou l'Agence Bleue. Donc ça va être de pratiques respectueuses pour l'environnement, des produits certifiés, labellisés. Ça va être également dans une démarche de lutte pour la lutte du gaspillage alimentaire, etc.